Le message de l'ancien secrétaire d'État, Mike Pompeo au CPAC, ne jamais abandonner. Voici quelques extraits de son discours. Mike Pompeo a eu un message pour les conservateurs samedi. Si les plans changent, des choses se produisent. Les choses ne se passent pas toujours exactement comme nous le souhaitons. N'abandonnons jamais. Restons fidèles à nous-mêmes et nous réussirons tout ce que nous entreprenons si on s'y met. Il a également énuméré certaines réalisations de la politique étrangère America First de Trump sur le fait d'aller à l'encontre du statu quo. On nous a dit « c'est une politique étrangère à caractère institutionnel, que vous ne pouviez pas sanctionner l'ayatollah en Iran et que vous ne pouviez pas arrêter d'envoyer des palettes d'argent aux dirigeants. Il y aurait la guerre. Eh bien, c'est ce que nous avons fait, il n'y a pas eu de guerre. » Il a souligné le déménagement de l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem, l'apaisement des tensions avec la Corée du Nord a ouvert la voie à la paix au Moyen-Orient. Il a terminé par un récit de ses années à la CIA. Il a déclaré que des officiers des opérations spéciales faisaient l'éloge des gens en les appelant des battants. Cela signifiait qu'ils travaillaient dur et qu'ils obtenaient des résultats. Vous savez tous que ces 4 années vont nous mettre à l'épreuve. J'ai besoin que chacun d'entre vous soit un battant, qu'il fasse les choses, qu'il continue sa besogne, qu'il soit un battant. Il dit que le président Reagan est un vrai battant et qu'il a dit un jour, si les États-Unis perdent leur liberté, il n'y aura plus d'endroit où s'échapper, c'est le dernier rempart sur Terre. Je suis convaincu qu'il avait raison, convaincu que l'étoile américaine brillera dans les cieux tant que nous garderons une compréhension claire des droits que Dieu nous a donnés à chacun de nous et que nous continuerons notre quête pour assurer notre liberté à notre propre peuple, à l'humanité tout entière. Après son discours, Pompeo s'est adressé à The Epoch Times. Selon lui, l'approche de longue date de l'Amérique vis-à-vis de la Chine a échoué. Pendant plus de 40 ans, démocrates ou républicains, il y a eu cette idée de d'abord s'engager avec la Chine, puis les choses allaient s'améliorer. Nous avons vu que le Parti communiste chinois en a profité pour saccager les emplois américains et détruire une grande partie de ce à quoi nous tenons tant ici aux États-Unis. Il prédit que les pays du monde entier vont commencer à s'éloigner de la Chine en raison des ambitions mondiales de Pékin. Il y aura donc sans doute un désengagement ou découplage qui va très certainement avoir lieu. Quant à l'avenir, Pompeo indique qu'il travaille avec les candidats conservateurs pour s'assurer que Nancy Pelosi ne sera pas la présidente de la Chambre en 2022.